première version était déjà pour deux chœurs, mais pas tout le temps. Il a commencé à réfléchir et il est arrivé à une deuxième version. Le groupe qui était positionné avec le grand orgue était plus grand que le groupe avec le petit orgue. Faire la Saint-Matthieu, c'est un chemin qui va à l'intérieur de soi. Es geht um Jesu sterben und es geht um unser Sterben und um das, was auch um den Weg dorthin. Also als Gläubige dieses Stück zu führen, ist eine andere Bedeutung vielleicht als Musikerin. Und wenn ich auch Gläubige bin und Musikerin gleichzeitig bin und solchen Werk anhöre und auch mal singe, das ist eine sehr schöne Ereignisse. Ils ont décidé ou ils ont créé le fait que les deux chœurs, chœur 1, chœur 2, soient l'un en face de l'autre. René est au milieu et il se tourne quand il faut diriger l'un ou l'autre. Il utilise tous les moyens musicaux qu'on avait à l'époque pour mettre en musique, pour peindre en musique une tempête, un orage, comme on a chez Rameau. Et justement avec un texte qui dit « Mais pourquoi il n'y a pas l'orage? Pourquoi il n'y a pas la tempête? Pourquoi le ciel ne réagit pas ?»